Rabbi Zev Porat révèle comment la véritable identité de Yahushua Mashiach est cachée aux Juifs. 3 décembre 2017. Enseignement basé sur les propos en anglais de Rabbi Zev Porat, juif messianique. Zev Porat est issu d'une riche famille juive ultra-orthodoxe. Né en Israël dans une famille de rabbins, il suit le schéma familial. Son parcours est absolument extraordinaire et époustouflant. Adulte, il est conduit à chercher la vérité à propos du Messie, et quand il devient finalement intellectuellement persuadé de la vérité, il la rejette car il sait que l'embrasser signifierait perdre sa famille, son emploi et sa vie. Mais le Seigneur ne le lâche pas, et il vient le visiter une nuit. Une voix en hébreu lui dit: Zev, Zev, Ésaïe 53 est le Messie d'Israël, c'est la vérité. Commence alors un parcours périlleux, rempli d'incertitudes et de souffrances. Toute la famille de Zev le renie et le maudit. Il perd son poste prestigieux et son très bon salaire, ne parvient pas à trouver un nouvel emploi malgré ses nombreuses qualifications et compétences, et finalement, pour pouvoir survivre, il se retrouve à faire la plonge dans un restaurant arabe où il est méprisé et maltraité. Mais après l'avoir éprouvé et totalement brisé, le Seigneur en fait un vase d'honneur purifié. Il le relève et bénit généreusement sa vie. Depuis, les bénédictions du Seigneur et sa protection ne l'ont jamais quitté. Jésus lui parle directement et le guide. Il est ainsi devenu un zélé serviteur de Dieu, et son ministère a évidemment pour but d'amener les Juifs à Yahushua pour les greffer à nouveau sur son olivier. Le ministère de Zev est florissant, et il apporte la bonne nouvelle non seulement aux Juifs, mais également aux musulmans. Et ce faisant, il assiste à de nombreux miracles. Vous trouverez l'adresse de son site anglophone dans la boîte de commentaires sous cette vidéo. Au cours d'un échange en ligne pour la chaîne de Linéa, Sentinelle du Seigneur, Zev Porat nous apprend la façon dont les rabbins juifs s'y sont pris pour dissimuler la vérité concernant Yahushua. J'ai fait pour vous un condensé de ces explications. Linéas commence à demander à Zev Porat pourquoi les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Zev répond que venant d'une famille de Juifs orthodoxes, on lui avait enseigné que s'il prononçait le nom de Dieu, il pouvait mourir ou tomber gravement malade ou attirer sur lui une malédiction. Le nom de Dieu est trop saint pour pouvoir être prononcé, affirment les rabbins depuis des générations. Pourtant, Zev affirme que n'importe qui recherche ce sujet découvrira que les chefs rabbiniques ont toujours prononcé le nom de Dieu avant l'avènement de Yahushua. Ce n'est qu'environ 60 ou 70 ans après sa mort que les rabbins ont fait le choix de supprimer le nom de Dieu de la Torah. En effet, après que Yahushua soit mort crucifié sur la croix, les rabbins juifs ont pris pleinement conscience de ce que tout dans la Torah pointe vers lui comme étant effectivement leur Messie. Mais comme ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir et leur position, ils ont cherché à dissimuler la vérité. Ainsi, non seulement ils ont supprimé le nom de Dieu dans la Torah, le tétragramme YHWH, mais ils ont aussi modifié l'alphabet tout entier. Ainsi, l'alphabet hébreu enseigné aujourd'hui dans les écoles en Israël n'est pas l'alphabet hébraïque d'origine établi par Dieu. Donc, le tétragramme, les lettres YHWH, n'a plus été prononcé par les Juifs lors de la lecture de la Torah, mais il a été remplacé par le mot Adonai, lequel signifie Seigneur ou Éternel. Et cette modification a été dissimulée derrière l'argument frauduleux que le nom de Dieu est trop sacré pour pouvoir être prononcé par les hommes, et donc, soi-disant, ce serait par respect envers le Créateur qu'on ne prononce pas son nom.
Sauf que c'est un mensonge. Oui, c'est une tromperie. En effet, avant la crucifixion de Jésus, on prononçait toujours le nom de Dieu en lisant la Torah, de même qu'on lisait le psaume 53, qui est aujourd'hui banni par les Juifs dans le judaïsme. On va y revenir et l'expliquer. Pour brouiller encore mieux les pistes, afin de dissimuler la vérité au peuple juif sur l'identité de leur Messie, les chefs rabbins ont érigé leurs mensonges jusqu'à focaliser toute l'attention sur le caractère sacré de Dieu, qui justifiait qu'on ne puisse finalement pas se permettre de prononcer le nom de Dieu, le tétragramme YHWH, mais pas non plus écrire le mot Dieu. C'est la raison pour laquelle les juifs qui pratiquent le judaïsme écrivent des points lieux à la place. L'histoire ne s'arrête pas là. Les rabbins ont fait passer le mot Adonai, éternel ou Seigneur en hébreu, pour être le nom même de Dieu, de sorte que les juifs orthodoxes s'interdisent de prononcer le mot Adonai, excepté dans certaines prières juives bien définies. Ils font comme s'il s'agissait du nom même de Dieu et le remplacent du coup par le mot Hachem, qui signifie le nom en hébreu, alors que ce mot Adonai est précisément le mot de remplacement que les Juifs utilisaient pour ne pas lire le tétragramme YHWH, véritable nom de Dieu, lorsqu'ils lisaient la Torah. Voyons maintenant en quoi l'alphabet hébraïque d'origine permet à la Torah de pointer vers Yahushua comme étant le Messie. L'alphabet hébraïque est constitué de 22 lettres et chaque lettre a aussi un sens. Elle représente quelque chose, autrement dit. La première est Alep, qui a pour sens bœuf, et la dernière est Tav, qui a pour sens croix, en tant que marque ou signe en forme de croix. Ainsi, la description biblique de Dieu comme étant le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga en grec, et donc le Alep et le Tav en hébreu, montre du doigt la naissance de Yahushua dans une étable à côté d'un bœuf et sa mort sur la croix. Il y a un autre point fascinant qui doit être expliqué. Lorsque Moïse a demandé à Dieu comment il devait l'appeler devant les enfants d'Israël, Dieu a répondu en hébreu ancien, YHWH, ce qui signifie Je suis celui qui est. Exode 3,14. Et Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il dit, Tu diras ainsi aux fils d'Israël, Je suis m'a envoyé vers vous. Précision, en français, le tétragramme YHWH est traduit Yahvé ou Yahweh, mais nous savons que le véritable nom de Dieu se prononce Yahwa. Et Yah, en hébreu ancien, signifie Je suis. Or, en langage idiographique, c'est-à-dire en prenant le sens associé aux lettres hébraïques d'origine, l'ancien alphabet, YHWH signifie Regarde la main, regarde le clou. Et le tétragramme indique alors sans ambiguïté aucune que Yahushua est bien Dieu et donc bien le Messie. Ce qui est éblouissant de clarté. C'est pourquoi les textes ont été escamotés et tous les moyens ont été utilisés pour dissimuler la véritable identité du Messie. Donc, dans cette même perspective, les passages prophétiques les plus évidents qui pointent vers Yahushua comme étant le Messie ne sont plus enseignés dans les synagogues. Psaume 22 n'est pas enseigné dans les synagogues. Voici un extrait éloquent du psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
et versets 8 et 9, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Et les chapitres 52 et 53 d'Ésaïe ne sont pas lus dans les synagogues et ont été appelés les chapitres interdits. Or, Ésaïe 53 décrit Jésus et sa crucifixion. Le voici en entier. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et quant à Ésaïe 52, le chapitre juste précédent, explique Zev, il a aussi été interdit car il éveillerait la curiosité sur le contenu de Ésaïe 53. Linéas demande à Zev quels sont les versets qu'il utilise pour montrer aux Juifs que Jésus est Dieu, qu'il est leur Messie. Zev répond bien sûr qu'il leur fait lire Ésaïe 53 et que ce chapitre les choque car ils ne le connaissent pas. Il utilise aussi la parade suivante. Il leur fait lire le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. » Ensuite, il leur demande, « Pensez-vous que Dieu puisse vous demander de désobéir aux 10 commandements ?» Évidemment, ils répondent, « Non. » Alors, il leur fait lire le psaume 2. Or, dans le verset 12, il est dit, « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui. Or, le terme baiser est une forme d'adoration. Donc, soit Dieu est en train de leur dire d'idolâtrer un autre Dieu, ou bien le Fils est Dieu lui-même. Il leur montre aussi Proverbe 30 qui dit: Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Pour tous ceux qui aimeraient pouvoir prêcher la vérité à des juifs, notez que Zev utilise également les écritures explicites suivantes pour leur ouvrir les yeux. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Michée chapitre 5, et notamment versets 2 et 3. Psaume 110, Psaume 122 et Jérémie 31, 31 à propos de la Nouvelle Alliance. Soit dit en passant, plusieurs de ces précédents passages bibliques peuvent aussi être utilisés pour démontrer à des témoins de Jéhovah que Jésus est Dieu et non pas l'archange Michaël. Zev explique que les chrétiens qui aiment Israël et les Juifs, quand ils viennent en Israël, s'interdisent de prononcer les noms de Dieu le Père et de Jésus pour ne pas offenser les Juifs. Zev dit: On ne peut pas faire passer les gens avant la droiture, la justice. Jésus a dit: Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9, 26. C'est vraiment important, dit Ève. Les chrétiens ne devraient pas se plier à ces coutumes juives de ne pas prononcer le nom de Dieu pour leur faire plaisir. Car alors vous suivez les hommes et non Dieu. Ne vous soumettez donc pas à ces manipulations de l'homme. Ne cherchez pas à plaire au rabbin, mais à Dieu. Ne tombez pas dans ce piège, Zev insiste. Ne vous pliez pas à cet esprit de peur avec lequel les chefs rabbins juifs maintiennent les juifs dans le mensonge. Mais ayez plutôt le courage de leur expliquer ce que le tétragramme YHWH signifie en hébreu idiographique ancien. Regarde la main, regarde le clou. Car Jésus nous demande d'être la lumière du monde, comme lui-même est la lumière du monde. Ainsi, en remontant toute l'histoire jusqu'à Moïse, le nom de Dieu dans la Torah avait Yahushua inséré en lui, ainsi que son destin, par lequel Dieu accomplit son plan divin pour nous offrir le salut. Et là, j'aimerais, moi, porter votre attention sur un autre aspect de l'espèce de fusion entre Dieu le Père et Dieu le Fils, telle qu'on peut la découvrir dans Exode 23, 20 à 21, où Dieu envoie l'ange de l'Éternel aux Israélites et il révèle l'identité de ce dernier en disant: Voici, j'envoie un ange devant toi
pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Effectivement, YHWH, Yahuwah, est contenu dans Yahushua. Et Jésus dit aussi en Jean 14, 11, Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Ajouté à cela, nous savons bien que les anges n'ont pas le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner, mais Dieu seul. Cet ange est donc Dieu lui-même envoyé dans un corps, c'est donc Jésus. En conclusion, l'heure est venue de greffer de nouveau les Juifs sur l'olivier de Dieu, dont ils sont la racine et le porte-greffe. Ainsi, comme Dieu l'avait voulu dès le départ, nous sommes tous fusionnés dans un seul olivier, une seule alliance, celle des rachetés en Christ, et en lui, nous sommes tous des Juifs spirituels, et nous formons à nous tous son peuple, l'Israël spirituel. Prions pour que le réveil des Juifs s'intensifie et qu'ils viennent en nombre à Jésus Yahushua en cette heure tardive. Amen.